Non, je sais plus où faut tomber exactement. Je crois que... Ouais, c'est là. Merde. Et merde. Et merde, et merde, et merde, et merde. Alors ça, c'est le truc le plus chiant. Ça, c'est le truc le plus chiant du donjon, je pense. Là, vaut mieux les tuer comme ça, parce qu'il faut pas faire tomber les... Et voilà, j'ai fait du beurre. Non, je rigole. Bon, vas-y. On va tenter comme ça. Même si on a encore un de vivant. Challenge accepté. Merde. Bon, bah voilà. Je l'ai dit, c'est le truc le plus chiant du jeu. Et voilà, faut tout refaire. Ah non, il est... Je pensais que ça allait faire apparaître tous les ennemis. Bon, c'est pas grave. Enfin, tant mieux même. Bon, je dis que c'est le truc plus chiant de donjon, ça a pas l'air que c'était dur. Hein. Petite astuce, hein. Normalement, on est pas sans... on est censé faire tout le tour. Hein. Mais si vous faites comme ça, hop, vous arrivez là direct. Ce génie. Génie incompris. Alors faut bien tuer tous les ennemis dans le donjon parce que faut pas risquer de... Faut pas risquer de tomber dans les trous quoi. Même tout ça pour ça? On sert à quoi de faire le tour alors? C'est un peu bizarre là. Attendez, je vais vérifier à chaque étage si j'ai bien tout. Ouais, là il me manque le coffre du milieu, mais c'est normal. Parce que c'est par là. Alors je pars quoi, je me suis fait repasser par là alors que c'est beaucoup plus dur, mais bon. Mais attendez, j'ai oublié un truc du coup. Bah oui. Faut que j'aille là. Comment ça se fait que... Mais non. Dégage. C'est un peu bizarre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pas comme ça. Putain, comment on y va dans cette porte là? Faut tomber de pire haut. C'est sûr. C'est là, non? Ouais, voilà ça. Tout ça pour ça. Ok. Ce qui est bien sur les Zelda DS, c'est le seul truc qui est bien d'ailleurs dedans. C'est que... Alors ça c'est super dangereux hein, le truc de feu, parce qu'en fait si on a le feu au cul, on peut plus... dans tous les sens, on tombe dans les trous.
Donc ouais, le seul truc bien dans les Zelda Zelda, c'est que bah vous avez le... Le Zelda DS. Vous avez le deuxième écran où il y a la carte. Parce que là on est obligé de la regarder toutes les 2 minutes, c'est un peu chiant. Ok, bon, on a pu commenter à l'étage du dessus parce qu'apparemment on a tout. Ah oui, c'est trop chiant ça. Je vais voir si ça marchait. Et ça, ça marche? Yes. Ça, c'est les ennemis que je déteste le plus dans les Zelda. Comme beaucoup de gens, je pense. NON! Je voulais l'attraper, ça m'a... Putain, jeu de merde. Je voulais attraper le truc et ça... Putain... Ça a fait une roulade. Je voulais attraper la bombe, mais vu que j'ai bougé en même temps, bah... Putain, je l'aime. Oh là 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 là. Putain, je l'ai. Eh, c'est monstre. Je connais pas un truc pour les battre super facilement en plus. J'essaie de trouver un truc, mais. Bah, y a ça, mais bon. On va pas le gâcher non plus. Non, mais le mieux c'est ça. Putain, c'est ça qui est chiant, c'est que la touche de la roulade est de la. La touche de la roulade et la touche pour prendre les trucs, c'est la même, donc forcément. Mais non! Donc, ouais, le donjon est un peu dur, hein, forcément. Mais c'est normal. Là. Combien de coups d'épée faut pour les tuer? Beaucoup. Et voilà enfin le cœur de cœur. Donc en fait, bah on est dans une autre partie, on est plus en au sud, si vous voulez. Dans cette... merde, je suis obligé de descendre. On est plus au sud dans cette partie du donjon. Oula. Bon, c'était pas ça que fallait faire. Enfin, vous avez compris, fallait tuer le truc de bombe là, je sais plus comment ça s'appelle. Quand il était collé au truc. On va faire avec le boomerang. J'ouvre bien un coffre. Est-ce que ça leur ferait pas mal? Parce que c'est quand même des morts vivants, donc ils craignent le sacré. Ok, ok, j'ai rien dit. Ça, l'arc dans le jeu, il sert à rien, putain. C'est le pire objet du jeu. Ça. Ok. Il est pas mort? Okay.
sûr, ça c'est bien déjà. Ouais. Il manque pas un coffre là? Si. Comment on fait? Ah oui. Je préfère toujours prendre un peu d'élan au cas où j'appuie sur la touche de direction avant de sauter et que je tombe dans le trou. Ah bon, bah. Je déteste avoir les rubis à fond. Après, toutes les rubis qu'on gagne, c'est dans le vide. De toute façon, après cette vidéo, je vais utiliser mes rubis, je pense, entre les vidéos. Je ne fais que passer. Alors là, on est bloqué, hein, donc seule solution. Regardez s'il y avait un secret qui nous faisait tomber au... Ah bah oui. Oh non. Il y en avait un, mais j'ai pas la clé. Putain. Quel connard. Ah bah attendez au pire. Ouais non, c'est bon. Je vais faire sans. Sinon j'ai toujours le téléporteur. Je peux revenir au début de donjon normalement avec la flûte. Peut-être plus rapide comme ça. Alors comment j'ai su qu'il y avait la bombe là? C'est parce que je connais le donjon hein. Mais sinon vous scrutez le mur avec l'épée hein, comme d'hab. Ouais, tout ce qui est trou dans ce donjon, j'ai l'impression que ça tombe vraiment en dessous. Alors là faut surtout pas appuyer sur le bouton. Donc bah, il faut pas les toucher quoi. Par contre, dans l'autre sens, vous pouvez les tuer, hein. Pas de soucis. Alors là, vous allez voir, c'est assez chiant. Oui, je le fais en mode pacifiste. Ah bah merde, j'ai oublié un coffre. Il y a sûrement des rubis dedans, mais c'est pas grave. Mode pacifiste activé. Je me lance des challenges complètement con là. Ah non, c'était un fragment. Bon, bah c'était. J'ai bien fait de faire le mode pacifiste. Allez hop. Et 2-1. Ce qui est bien avec la cape, c'est que ça fait une esquive pour assez longtemps quand même. Ah non merde, mode pacifique, j'ai pas le droit. Merde, c'est pas par là. C'était par où alors? Ah oui, il fallait pousser les trucs. Ah bah là, en mode pacifiste, ça va être compliqué. Hein. Quel tas de merde. Mais... En plus, il y avait l'indication avec les dalles. Ah, pourquoi là, il y a des dalles comme ça? Aucune idée.
Est-ce que je vais pas louper un autre truc à gauche? Non, c'est bon. Ça servait juste à faire ça. Il n'y avait pas besoin de faire ça, bon c'est pas grave. Je suis monté tout en haut à gauche avant de sauter, mais ça servait à rien. On peut pas l'enchaîner plus vite que ça. Hein. Ok, et la clé du boss, bah on l'a déjà, hein. C'est la même que l'autre en fait. Qu'on avait déjà utilisé. Et nous voilà au boss. C'est parti. Donc vous pouvez voir ce boss. C'est un peu particulier. Parce qu'il y en a deux en fait. Merde. On pouvait bouger comme ça, hein. Là, faites gaffe, ça devient un peu plus chaud. Bon, bah, j'aime beaucoup ce boss, je le trouve très original. Et c'est pas l'attaque cyclone, ça marche pas. Faut vraiment les taper pile en même temps. Ah le connard il a changé. Vite. Merde. Et alors. Bon, je vais essayer d'arrêter l'attaque cyclone. On peut le taper deux fois hein, normalement. Donc maintenant, il va falloir esquiver les trucs verts maintenant que l'autre est morte. Le mâle et la femelle, on va dire. Je dirais que ça c'est la femelle parce que ça crée des petits trucs. Voilà voilà, donc un boss pas extrêmement dur mais assez original. Il y a un peu de technique mais c'est pas si dur que ça quoi. Cœur.
On a combien de cœurs d'ailleurs? 3, 6, 9, 10. C'est 10 pour une ligne. 15 cœurs, pas mal. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que ce donjon vous a plu. Moi j'aime beaucoup ce donjon, il est vraiment cool. Il est tout en hauteur. Et normalement j'ai rien loupé dedans. Attendez, je vais quand même y retourner pour le... Juste pour voir la carte. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai bien tout récupéré. Donc de toute façon, à part le quart de cœur, hein, il n'y a rien de spécial à récupérer dans ce donjon. Hein. Et l'objet du donjon, mais bon, vous pouvez pas louper. Donc je vous dis bah, à la prochaine pour un peu faire toutes les dernières quêtes avant de finir le jeu. On va peut-être aller quand même créer l'épée avant. Parce que l'épée, en fait, bah, ça vous donne le quatrième clone, avec les quatre éléments. Et on aura besoin du quatrième clone pour aller chercher certains trucs. Voilà. Allez, bah à la prochaine pour la suite du jeu, quête annexe. Je pense qu'il va y avoir au moins deux vidéos de quête annexe avant la fin là. Allez, à plus.